Allez, juste un petit tour dans le Castillon. J'ai déjà fait ce matin. Comme ça, je vous montre un petit passage là. Allez, le long de la clôture de Trapille. Enfin, je peux passer là. Au moins 15 ans, facile. Le but, c'est faire l'air au pied. Avant, je suis arrivé jusqu'au bout. Mais là, je sais qu'il y a un passage, j'y arriverai pas un peu plus loin. Déjà, ce qu'on voit devant, c'est pas gagné. Prendre de l'élan. Yes. Là aussi, on prend l'élan. Pas tenter le diable. Ça traîne ça. Hein. Là, c'est ce qu'on voit là. C'est là que je n'arriverai pas. Oh. Yes, j'y arrive.
Putain, je fais zéro. Ça alors. Ouais, il grimpe bien celui-là, hein, le vélo. Allez, petite partie de descente. Là. Je me méfie parce que la dernière fois, il y avait des gens qui ont mis des grosses branches en travers. De toute façon, je me méfie quand même un peu de ça, dans toutes les descentes. Yeah. Alors, je suis venu surtout pour voir la dernière descente qui est là-bas, au fond. C'est un moment qu'on stade, savoir si on peut le faire. Ah, celle-là. J'y arrive mal. J'arrive mal. Et en regardant bien d'en bas, moi, ça me semble possible. Tiens, ça, je le faisais avec un vieux tote bag d'il y a 20 ans. Et même pas d'amortisseur, rien. C'est là que ça craint. Essayer de descendre là, ça aurait été bien. Je vais voir le prochain. Ouais, ben, le dernier, il n'y a pas de souci. Les deux d'avant. Et avant, il y avait un chemin qui longeait à droite, là. Et là, il n'y a plus grand-chose comme chemin. Je vais aller voir. La marche d'avant, elle est là. Oui. Elle est là, ça fait arriver soit là, soit là, soit là. C'est quoi ? Ben, je vais remonter le fer, je pense. Si, on peut s'en sortir. Parce que là, jamais de la vie, je remonte. Et avant, on y arrivait par là. Alors, on va voir. Allez, j'y retourne. Si je pourrais tout faire d'une traite, ça serait bien. Et bon, parce que la remontée, elle est... Et autant difficile par où je descends que par le bout de piste. Sérieux, hein. Là, ça se trouve, j'aurais aussi vite fait de remonter en poussant. Allez, ça commence là. Alors, là à gauche, c'est bien aussi, hein. Putain, il arrive. Alors là, il y avait à droite. Pour y aller d'une traite, il faut savoir où on va, c'est chiant. Là, ça c'est cool. Oula. Et je vais me retrouver au même endroit que tout à l'heure, bordel.
obligé à retrouver. Allez, troisième et dernier essai. Après, on reviendra à deux. Peut-être que ça passera mieux. Et déjà, c'est mieux deux, parce que si on se ramasse, on a même mal là-bas, il n'y a personne. Bon, bah, j'ai repéré juste après l'arbre à droite. Quel arbre? C'est ça la surprise, c'est ça. C'est bon. C'est le petit arbre le plus fin après le rétrécissement sur la petite corniche. Et vous avez vu que je suis passé à gauche là, cette fois, parce que effectivement derrière, il a bien pris. Et là, à droite, c'est pas mal. Alors, la petite corniche, c'est le creux là-bas. Putain, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit d'en bas. Là. Petit arbre, c'est celui-là. On essaye. Yes. Si là ça passe, je sais pas parce que je suis jamais passé. Si ça passe, ça sera un zéro pied. Putain. Yes. Putain. Ouais, ça passe, hein, mine de rien. J'ai peur qu'il n'y ait pas la place de s'arrêter, mais en fait, il n'y a pas besoin de s'arrêter. J'ai pris une heure pour faire trois descentes de 30 secondes, une heure. Ça m'a déjà vu. Il y a des cailloux au milieu qui fait chier là. Hop, zéro pied. Zéro. J'ai tourné pour vous faire voir d'en bas ce que ça donne. À l'époque, on traversait en bas, on pouvait. Hein. C'était pas fait comme ça. Voilà, là, c'est le dernier raidillon. Et la deuxième barre là-haut, après l'arbre, où il y a la mousse, après l'arbre, c'est là qu'il faut tourner. C'est moins compliqué que de faire 2 mètres de plus et de prendre le virage. C'est vrai que d'ici, ça fait rien. De la daube, comme d'habitude. Par contre, d'en haut,